Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Il faut prendre les choses graves, disait M. Raspail lors d'une interview avec Serge de Pecquetche. Il faut prendre les choses graves, et il laissa quelques suspens, cherchant ce qu'il voulut asséner. Et avec sa délicatesse habituelle, il dit « Il faut prendre les choses graves d'une certaine façon ». Et oui, voilà la liberté d'un auteur qui ne peut s'enfermer dans un a priori trop rapide et trop facile. Alors, évidemment, l'exercice qui m'est proposé, que je vais essayer de réaliser, est impossible. Un petit curé pour un grand écrivain, un homme qui, pendant 94 ans, a poursuivi son chemin avec une force et un idéal incomparables. J'ai beaucoup cherché, et voici la citation qui va inspirer mes propos. Elle est de lui, elle est sur la monarchie, rejetant toute prétention politique dont il n'avait que faire. Il dit « La monarchie n'est pas une idée politique, elle est une idée noble et belle qui satisfait en nous ce que l'on a de meilleur, l'héroïsme, le sens du sacré et l'idéal. » Eh bien, il me semble que cet idéal, c'est l'espérance qui le fait naître, dont saint Paul vient de nous parler. Ce sens du sacré, c'est la foi de sainte Marthe dans l'évangile que nous venons d'entendre. Et l'héroïsme, c'est celui de la charité que cette messe est, comme toute messe, un acte de charité qui se conjoindra à celui de M. Jean Raspail qui vous fait la grâce de vous convoquer à sa messe de funérailles. Ce seront les trois points de mon plan, l'idéal, le sens du sacré et l'héroïsme. L'idéal tout d'abord, cet idéal visé et réalisé. Un idéal qui est évidemment un imaginaire, une poésie incroyable. Je ne me permettrai pas de faire le panégyrique des œuvres de M. Raspail. Je laisserai ce difficile exercice, pour ne pas dire impossible exercice, à M. de Montetti tout à l'heure, à la fin de la messe et avant l'absoute. Cet imaginaire qu'il a voulu, désiré, qu'il a entretenu, en quelque sorte, on ne sait plus si chez Jean Raspail, si ce qui distingue l'imaginaire du réel, c'est-à-dire que cet imaginaire a entretenu la réalité de sa vie sans cesse et il l'a mis en œuvre. Cette œuvre, depuis sa tendre jeunesse, il l'a caressée, bien même avant d'écrire. Vous connaissez tous son expédition après-guerre en terre de feu, où il va nourrir, à partir de cette expédition, cette expérience essentielle qu'il fit. La Patagonie en est née. Il fit l'expérience, oh, toute simple et bien humble, mais il faut beaucoup marcher, il faut beaucoup explorer pour arriver à faire une expérience simple, celle de ce canot, vous me l'avez rappelé, monsieur, madame, vous, ces enfants, vous me l'avez rappelé tout particulièrement comme une expérience centrale, ce canot de trois Indiens nus qui portaient du feu au plein milieu de la banquise et de la glace. Voilà une expérience essentielle. Il faut, pour la découvrir, avoir l'espérance du ciel. Il faut, pour la découvrir, voir plus loin que la simple réalité des choses, la banalité, tout de même assez extraordinaire pour nous autres petits Parisiens, tout de même extraordinaire de ce feu porté par une famille afin de ne pas perdre la flamme. Ne pas perdre la flamme, ben c'est ça l'espérance. C'est ça l'espérance qui nous fait désirer le ciel, qui nous fait espérer le ciel. Nous ne pouvons perdre l'espérance, sinon nous perdons le chemin du ciel. L'espérance est le fondement de notre foi. Elle en est le feu ardent qui nous consume. Et Dieu sait que celui que nous accompagnons aujourd'hui était consumé de ce feu incroyable. Il est, je crois, vous me l'avez dit, monsieur, son fils,
vous m'enterrez dans sa tenue d'officier de marine, sa tenue bleue, et il y tenait beaucoup, comme a d'ailleurs tout ce qui se déroule aujourd'hui, il l'avait donné avec une certaine précision, et cet officier de marine qui regarde l'horizon, qui regarde venir, nous donne encore, même dans son uniforme, une leçon d'espérance. Oui, nous ne pouvons pas être comme ceux qui n'ont pas d'espérance, nous dit saint Paul, car nous espérons le ciel. Nous espérons bien plus que toutes les déceptions humaines. Nous espérons ce qui nous sera donné. Et c'est vous, madame, sa fille, qui me l'avez rappelé lors de notre entrevue. Votre père vous confiait, après bien des réflexions, finalement, c'est bien Dieu qui choisira. Oui, ceci est un mot d'espérance, une remise de soi à Dieu. L'action que nous posons ici, l'action sacrée que l'Église donne et à laquelle tous s'associent, est une action d'espérance. Nous n'enterrons pas nos morts pour ne pas les revoir. Nous enterrons nos morts, nous les accompagnons dans l'espérance de les revoir un jour, dans l'espérance du salut. Alors, évidemment, cette espérance est basée sur un espoir humain, que ne meurt pas leur mémoire. Je n'ai pas beaucoup de soucis pour l'espoir humain de la mémoire de M. Jean Raspail. C'est l'espérance qui est la sienne, qui est encore plus éclatante aujourd'hui. Bien sûr, repose en vous l'espoir de sa mémoire, mais il dépendra du ciel qu'elle nous mène jusqu'à lui, c'est-à-dire de l'espérance, cette vertu théologique qui nous fait vraiment espérer Dieu lui-même. Voilà pour cet idéal qu'il a poursuivi toute sa vie, cet idéal qu'il a mis en œuvre de mille manières et avec l'humilité de ceux qui ont vraiment l'espérance du ciel, c'est-à-dire l'humilité de ceux qui savent que ce n'est pas eux qui réalisent les choses. Dans la même émission que j'écoutais hier soir, il se permet de dire, sans forfanterie, « Non, je ne suis pas assez intelligent pour donner des idées aux gens, je me permets simplement d'évoquer ce qui me semble essentiel. » Cette espérance indépassable qui nous fait reposer seulement en Dieu. Alors oui, après l'espérance, c'est la foi qui advient. La foi de Marthe ici, cette foi, cette vertu qui nous fait toucher Dieu à travers les réalités du monde. C'est ça la foi. Nous le savons, pour lui, elle a disparu déjà. Il sait, il est maintenant illuminé et Dieu décidera, Dieu choisira comme il l'a dit simplement. Mais cette foi est celle qui passe à travers le monde. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une image, c'est une réalité. Quand je dis qu'elle passe à travers ce monde, elle passe à travers les épreuves, elle passe à travers les doutes, elle passe à travers les difficultés, elle passe à travers les renoncements, elle passe aussi à travers les critiques, elle passe à travers les incompréhensions. Et qui ne pourrait en être touché quand on est un grand écrivain public, que l'on écrit tant qu'on se livre au monde sans être l'objet de critiques? Eh bien, c'est impossible. Cette espérance a fait nourrir une foi réelle dans ce qui vient, c'est-à-dire Dieu. On a beaucoup présenté M. Raspail comme décrivant des civilisations, qui se mouraient. Eh bien, je ne me suis jamais résolu à désespérer de sa plume si précise et si incisive de civilisation moribonde, qui est encore une volonté de décrire ce qui reste et de deviner ce qui va advenir. Oui, Jean Raspail n'était pas exempt de cette foi portée dans la confiance humaine du monde, dans une confiance, je pèse mes mots, lui qu'on présente comme un pessimiste, je ne le crois pas. Il parcourut les Amériques au lendemain de la guerre, juste en 1945,
Cette expédition peut être moins connue que celle de la terre de feu qui fit naître un pays. Il avait d'abord précédé cela par une expédition sur les pas du père Marquette, celui qui avait exploré l'Amérique du Nord. Oui, il voulut rendre ainsi témoignage de sa fidélité à cette expédition, à cette découverte, à cet explorateur de la foi que fut ce prêtre qui put introduire la foi chez les civilisations indiennes qui étaient si chères au cœur de M. Raspail. Oui, c'est la foi qui fait encore écrire Jean Raspail sur l'Église, de l'anneau du pécheur évidemment auquel vous pensez, jusqu'à la miséricorde, ce livre si intime et presque étonnant qu'il nous a laissé à la fin de sa vie, qui nous autorise à pénétrer au-delà de la limite de la description des mondes et qui est une description, me semble-t-il, je ne veux pas m'avancer trop, mais certainement de son âme. Oui, la foi qui se dit, la foi dans l'Église, qui n'épargne pas la description de la décrépitude, mais que ne serait-il heureux de vous voir si fervent, si plein de foi ici aujourd'hui, savait-il, lui qui pouvait douter ça et là, qu'il engendrerait non seulement l'espérance, mais la foi en Dieu. Oui, je pense qu'il nous a transmis une certaine foi dans la grâce qui vient. Je me rappelle, en 1991, de l'ouvrage « Cire » qui sort, qu'on a peut-être moins retenu, encore que si, je crois qu'on l'a autant retenu que « Le camp des saints », mais j'y viendrai pour ma dernière partie. Dans « Cire », il décrit une messe. Rappelez-vous, nous sommes dans une crypte, il n'y a plus personne, il n'y a plus qu'un prêtre qui tient avec un servant. Mais voilà que Jean Raspail voit dans sa vision théologique et dans sa foi, il voit les anges, il voit les morts, il voit les pères de la patrie, il voit tout le monde qui assiste à cette messe et il nous donne ainsi une vision du ciel à travers la messe qui semble célébrer dans un total désespoir une certaine déréliction de la foi, y compris dans l'Église. Eh bien non, il ne s'est pas trompé, ces anges sont bien là à cette messe, comme ils sont à celle-ci, et vous avez voulu que, aujourd'hui, vous accompagniez ces anges et que vous accompagniez jusqu'à sa dernière demeure celui qui a suscité en vous la présence de ces anges qui sont les messagers de Dieu, les instruments de la foi. Il me reste un dernier point à soulever et c'est celui de la charité, c'est l'héroïsme qu'engendre la charité, car on ne peut pas être charitable à la petite semaine. La mesure de l'amour est d'aimer sans mesure, on ne peut aimer qu'héroïquement. Alors, il l'a voulu, il l'a désiré, c'était un homme de volonté. Il le suffit de le lire pour s'en convaincre, la volonté ferme et profonde d'apporter cette réalité de Dieu sur terre qui est la charité. Il a réglé, je vous l'ai dit, avec une certaine volonté, les derniers points de ses funérailles. Il savait où il voulait être enterré. Il a toujours eu pour Saint-Roch une petite amitié de César Birotteau, se souvenant de la description ici sur les marches du combat des royalistes, les dernières marches du royaume, en quelque sorte, qui semblent avoir tombé, mais pourtant refleurir. Oui, ici, dans cette église royale, lui qui connaissait si bien l'histoire, eh bien, c'est dans cette chapelle des Tuileries, qu'est Saint-Roch, dans cette église, cette cure des Tuileries qui résidait ici, qu'il a toute sa place pour être accompagné. Cette charité, il l'a réalisée. Eh oui, on ne peut avancer sans amour, on ne peut avancer sans réaliser ce qu'on veut.
Je prendrai un exemple seulement, car la valeur n'attend pas le nombre des années. Et vous m'avez rappelé, vous, sa famille, que ce que j'ignorais, c'est que durant la guerre, il avait 15 ans, en 1940, il dirigea une troupe scout pour occuper les nombreux enfants qui, à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, étaient désœuvrés. Oui, et je le dis aux scouts qui sont ici, qui rendent par leur présence et leur uniforme hommage à ce chef scout, à ce frère scout. À 15 ans, il fut chef de troupe. À 15 ans, il sillonna Paris pour divertir, détourner. Et cette charité, ces conjointes du service qu'il rendait, vous me l'avez dit, madame, il ne l'a dit qu'à la toute fin de sa vie, il s'est livré même à sa famille doucement. Il portait des brancards, il s'était engagé dans le secourisme qui permet, au moment où les bombes tombent, où résonnent les sirènes, où les pleutres s'enterrent, qui permet de sillonner la ville pour porter secours. C'est ça, la charité. C'est la charité qui ne s'arrête pas. Alors oui, bien sûr, cette charité doit se réaliser, nous l'espérons tous. Elle doit se réaliser dans nos vies comme dans la sienne. Elle doit se réaliser dans notre patrie comme dans d'autres. Cette charité, pour lui, comme pour saint Thomas d'Aquin, se couronnait du roi. Et c'est cette vision spirituelle de la monarchie qu'il a habitée toute sa vie. Pas toute sa vie, dit-il. Il s'est converti au royalisme naturellement, disait-il, comme son père. Oui, il est de ceux qui auront porté un idéal profond qui nous permet d'espérer, qui nous permet d'avoir foi en ce qui vient, qui nous permet aussi d'agir en ce monde. Voilà qu'il est mort. La consternation et la tristesse naturelle ne doit pas nous faire oublier cette volonté inaltérable. Vous m'avez dit, madame, son épouse, très volontaire, volontariste, parfois intransigeant. Évidemment, vos enfants, à ce moment-là, hochant la tête, ce n'est pas un moment où on dit ça de son père. Mais je crois qu'on ne peut pas faire de plus beaux compliments à quelqu'un qui aura parcouru avec une telle détermination ce temps. Oui, on lui reconnaît dans le camp des saints d'avoir fondé vraiment les principes de la charité. Alors vous m'avez dit, madame, vous, sa fille, le prochain qui me dit, qui décrit mon père comme étant cet auteur controversé du camp des saints, je lui mets mon pied aux fesses. Je crois ne pas vous trahir. Oui, c'est normal, vous en avez marre qu'on réduise une pensée incroyable à une dispute politique. Mais je me suis permis de vous répondre que c'était normal. C'est l'ouvrage qu'on ne pourra pas lui pardonner, mais ceux qui arriveront à lui pardonner, ceux qui arriveront à croire encore en quelque chose, entreront vraiment dans l'espérance et dans la profonde foi qui pouvait animer et qui en tout cas anime son œuvre. Voilà, je ne peux pas dire mieux, je ne peux pas dire grand-chose. Je finirai simplement par une petite remarque d'anecdote. Il est mort un 13 juin, à vous de choisir. Ce samedi 13 juin, c'était un samedi où on a déboulonné des statues. L'actualité du camp des saints est d'une effroyable présence, d'une effroyable acuité. Vous choisirez ce pan-là, ou vous choisirez Saint-Antoine de Padoue, lui qui sut mener tant de gens dans leur vie, qui est le patron de ceux qui perdent leur chemin, qui est entre autres le un des patrons des marins. Choisissez qui vous voulez, gardez les yeux ouverts pour voir les statues tomber et pour les garder, gardez les yeux vers le ciel pour connaître le chemin qui est le sien. Ainsi soit-il.